Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Robocraft, on y va. Là nous sommes avec le Eagle, hein, l'America for Freedom, que je pense va avoir quelques modifications plus tard. Vous m'avez donné quelques conseils vis-à-vis de certains de mes robots. J'avais mis beaucoup de trucs au corps à corps, etc., etc. Là, vous m'avez pas trop conseillé ça, vous m'avez conseillé peut-être plus de comment de plasma apparemment. Le problème, c'est que je ne sais pas si je peux placer les plasmas en règle générale déjà, et si effectivement ou non tout ce qui est en dessous est véritablement utile en tant que plasma. Donc écoutez, bah, dites-moi dans les commentaires pourquoi, etc., 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 pourquoi autre chose, et on reverra ça ensemble, chers amis, tout simplement. Donc voilà, pour ce qui est des robots qu'on va utiliser aujourd'hui, j'ai bien envie d'utiliser dragon. Hop, le dragon en Battle Arena. Tiens, on va partir en Battle Arena pour commencer. Habituellement, on fait Team Deathmatch puis Battle Arena. Là, je crois que la dernière fois, on avait fait Battle Arena puis Team Deathmatch. Ça change un petit peu, c'est sympa. Dites-moi au niveau du setup de la caméra en haut à gauche si ça vous va ou pas, forcément. J'évite de bourrer mon micro, ce serait peut-être pas mal. Voilà. Et si au niveau du son, c'est bon aussi. Normalement, c'est bon. Je check, mais... Hop. Ça me semble pas trop mal. Si vous voulez plus de son, en règle générale, sur le jeu, dites-le moi. Je vais régler ça. Mais sinon, apparemment, il n'y a pas de problème. Ok. Bon, c'est parti. Hop. Il y a un faucon, Robin le Geek. Un faucon, ça pourrait être intéressant à regarder. Robin le Geek, je ne vois rien de ce nom. Kaya quelque chose, Trigger. Apparemment il n'a pas encore été TP. Ah non, c'est pas lui. Ah là là, Robin le Geek, d'accord. Alors je cherche toujours un petit peu un robot de soins déjà. Et pour le reste ensuite on verra. Mais pour l'instant je suis intéressé plus par un robot de soins. Le plus rapidement possible serait assez intéressant. Mais hop. Ah, je suis la première cible apparemment. Hop. Tir de couverture, chers amis. Tir de couverture. Hop. Le dragon. Ah. Hop. 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 Ah, je suis ciblé. C'est bon. Sauf. Enfin, sauf, tout est relatif. Il reste plus grand chose du robot. Dommage. J'ai dit que j'étais sauf. Ah, je déteste ces robots. Je déteste ces robots. Qui ne ressemblent strictement à rien. C'est vraiment dommage. Enfin bon. C'est comme ça. On a donc 2 tours sur 3, ce qui n'est pas mal, c'est un bon départ. Alors, apparemment, il y a des anti-aériens là-bas. Mais je le vois pas à l'autre. Apparemment, il m'arrive de me toucher moi-même. Ce qui est en soi un problème. Hop. Qui est-ce qui m'a fait ça? Là-bas. Putain de snipe. Merci. Hop. Hop. On se pose. Le dragon hurlera une nouvelle fois, pardon. J'essaie de cibler un peu tout le monde, mais c'est compliqué. Oula! Hop. Ah, bla. Allez, Marcus. Allez, Marcus, tu peux l'avoir. Il grimpe? Putain, il a volé. Non. Je m'y refuse. Hop, voilà. Ça, c'est fait. L'avantage de... Parce que là, je suis sur un autre logiciel de tournage.
J'en utilise plusieurs finalement. C'est que actuellement en fait je ne vois pas la cam, du coup je n'ai pas l'intention, enfin je n'ai pas la nécessité de la regarder en fait finalement si je puis dire. Hop. Wow, on se pose. Il est joli aussi le sien là. Hop. Ah, j'ai pas touché la surface intéressante. Oh là là. Hop. Hop, bonjour. Hop. Voilà, ça c'est fait. Ah, je me fais. C'est quoi ça? Ah, c'est une sulfateuse. What? Ah! Le dragon a chu, chers amis. Le dragon a chu. Quel dommage. Remets-toi en place, dragon. Ah bah, dragon. Dragon. Qu'est-ce que tu fais, dragon? Merci. Merci, l'ami. Merci l'ami. Hop. Merde, on est en train de perdre nos tours. On est en train de perdre nos tours. Hop. Il nous faut fuir l'ami. Ah. Ah, je suis touché. Frieden White, cheat noob. Ah bon, qui c'est qui cheat? Qui c'est qui cheat? Oh. Hop. J'ai jamais compris, il y a toujours plein de gens qui disent qu'ils cheatent, mais j'ai jamais véritablement compris ce qu'ils faisaient pour cheater quoi finalement. Je suis curieux de savoir. Apparemment il y a un glitch assez redondant, c'est quand tu deviens apparemment partiellement invisible, j'ai pas trop compris. Non, complètement invisible à cause du blink. En fait, tu restes dans l'état de blink, si je puis dire. Hop. Ah. Ah. Non, c'est faux. T'es invisible. Non, c'est faux. Tu me vois pas? Non, non, c'est faux. Ah. Rect. Où vous êtes, les copains? Les copains? Hop. J'arrive, je te heal, mais faut que tu t'approches, Simon. Hop, allez, Simon. Hop, allez, Robin, on y va. Hop. Je te vengerai, mon ami. Ah merde, je vais crever, mon ami. Hop, je me pose. Wouh. Par contre, on n'a pas assez de tours, les mecs. Hein. On n'a clairement pas assez de tours. Ah. Il va nous falloir plus de tours. Ça va être une véritable nécessité. Hop. Est-ce qu'il les a toutes eues? On devrait pouvoir y arriver, non? Hop. Allez. Putain, vous êtes deux, vous arrivez pas à défendre?
Putain, m'envoie un texto. Bonjour. Détends. Hop. Aïe. Aïe, aïe. Faut que je me pose. Allez Marcus, tu peux l'avoir. Même si ce n'est que par surprise, tu peux l'avoir. Hop, c'est bon. Viens par là. Hop, c'est bon. Oh. Oh. Ose me dire que je l'avais pas dans mon viseur. Hop, bah alors. Alors. Bah alors. Suprématie aérienne acquise, comme dirait Farah. Hop les. Aïe. Oh non. Oh salaud. Ah, je peux encore tirer. Avec quelle arme? Hop. Ah bah ça va, je m'en sors pas si mal au niveau du compteur. Bon, il y en a un qui est juste 1700 points plus haut que moi et que voilà. Il s'appelle comment? Trigger. Trigger. Ah oui, il avait le joli vaisseau, et je l'ai dit. C'est vrai qu'il est stylé son robot. Il est très 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 stylé. Trigger 7798. Ok, pourquoi pas. Faut que je retienne tous ces noms-là parce que c'est le genre de mec qui serait capable de les mettre en vente et ça peut être extrêmement intéressant. Ils sont super stylés leurs robots. Donc pour ceux qui disent que des robots stylés et performants ça n'existe pas, je suis pas d'accord. Oh la vache, il s'est fait rect. Hop. Hop. Ok, ça c'est fait. Ok. Bon, moi je rush. Oula, ça c'était pas prévu. Allez, le dragon décolle! Hop. 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 C'est pas grave. C'est pas grave. Ah, quel dommage. C'est quoi qui m'a tué? Ça doit être un lentreux de toute façon, hein, dans tous les cas. Et on n'était pas nombreux. Eh, mais on en a un en moins en plus. On a un en moins. On gère, hein. On gère, on gère. Mais j'aime beaucoup ce dragon. Il est pas aussi performant que les deux autres, mais je l'aime beaucoup. Il a la gueule qu'il faut et il a bah, tout ce qui va avec, quoi. Ça, c'est bien. Et puis, je le gère pas trop mal, finalement. Hein. Je suis content. Là, le kill que j'ai fait au niveau de l'hélicoptère, je suis assez content de l'avoir fait. Hein. Parce que ça montre que je commence à avoir quelques heures de vol, littéralement. Et que je peux commencer à anticiper le... Enfin, les mouvements, on va dire. J'ai vu un tir de snipe. Je n'ai pas compris d'où est-ce qu'il venait. Ouais, je suis dessus. Tu l'as demandé, tu l'as eu. Oula. Allez, pose-toi, Marcus. Hop, on y va. J'ai pas récupéré mes heals. Si, ça y est. Ils ont récupéré le truc. Ah, merde. Ah, ils se vengent. Tiens, bouffe. Bouffe celle-là. Ah! 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 Je l'ai entendu! Je l'ai entendu! Non! Salaud! Pourriture! Eh, c'est vrai qu'il est stylé le sien. Ça fait un peu plus soucoupe volante, mais c'est stylé.
Alors faut pas que je bouge trop pour pas sortir du champ de la caméra. Parce que vu que je le vois pas. Bon, bah victoire quand même. Victoire quand même. GG. Bon, bon, on est troisième et on va pas se plaindre, honnêtement. On va pas se plaindre. Alors, je me suis mis un produit pour avoir les yeux moins secs, mais alors ça fait mal. Ouah, bah remarque, je vais avoir. Bah, à chaque fois que je joue à Robocraft, j'ai mal aux yeux. Donc, c'est violent. Ah oui, alors, oui. Alors, la première fois, apparemment, la première fois où vous connectez au serveur pour avoir la. Par jour, entre guillemets, pour avoir la. La. Comment la. Le retour de la victoire ou de la défaite, vous avez toujours un gros lag, apparemment. Donc, bon. Ok. Bon, bah, c'est cool. Et on a une diamant, donc la diamant a peut-être pas quelque chose d'intéressant dedans. J'ai rien dit. J'ai rien dit du tout. Ok, pas grave. Alors, ce robot, on l'avait testé en quoi déjà? On va le tester en team deathmatch. On va tester. On va bien voir. Même si j'ai de gros doutes. Hein. J'ai de gros doutes vis-à-vis de ce robot. De toute façon, il est peut-être voué à disparaître ce robot. Hein. On verra. Ah non, je croyais que. Alors j'attends toujours des nouvelles de Trustmaster. Hein. J'attends toujours des nouvelles de Trustmaster, mais apparemment je n'en ai pas. Hop. Je check tous mes mails. Donc non, ça c'est l'activité YouTube. Ok. Steam qui me dit que j'ai un jeu qui. Ah, j'ai plusieurs jeux en. D'accord. Et. Les news. Donc non, rien du tout aux vidéos de Trustmaster. J'attends, enfin, en tout cas de leur marketing. J'attends encore une fois des nouvelles. Hein. J'aimerais bien avoir les modalités de leur demande. Savoir si le matériel de présentation que je vais faire pour le test, je le garde ou pas, ou si sous combien de temps je peux le tester en fait. Tout simplement. J'ai pas encore de nouvelles, c'est un des premiers entre guillemets contrats, si je puis dire, que la chaîne développe, enfin, crée comme opportunité. Du coup j'attends encore un peu. On va couper la lumière. Hop. Alors je n'ai vu aucun volant, c'est rigolo. Pas tous invisibles, c'est pas possible. C'est. Pas besoin de gaspiller plus de balles. J'ai cru voir un mec. Hop. Hop. Confiant, dis donc, lui. Hein. Et par contre, reste. Putain, il reste invisible maintenant. Oh non, mais alors ça, c'est saoulant. Est-ce que mon canon il tire au moins? Est-ce que mon canon il. Bah tant pis. Oh là, y'a vraiment plein de gens qui m'ont parlé. Je t'ai vu de déco, moi, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ah bah non, il est visible d'un seul coup. Bon, on va rester, on va pas aller en front, chers amis. On va éviter le front, je pense. Il va venir par derrière, non? Non, c'est bon, apparemment ils l'ont vu. Bon, je fais du caca. Ah, le voile skino. What? What? Derrière! Vas-y, but!
Par contre, on devrait pas tourner le dos à leur spawn, les mecs, hein. On devrait pas. Oh! Et en plus, il lag! Et en plus, il lag! What? Mais ça tire pas! Mais mes trucs devant. Mes canons devant, ils tirent pas, c'est pas possible! Oh, comment ça peut être solide ça? Hop! Hop, raté, dommage. Je croyais qu'il volait encore, mais apparemment il a pas eu envie de tenter sa chance. Je vais essayer de prendre que ce mec là. Soyons un tantinet stratégique. Dommage. Mais non, on va pas sur Ender. Mais merde! Bon bah oui hein. Écoutez, je vois pas ce que vous faites hein, mais... Qu'est-ce qui se passe? Sorry? Pourquoi sorry, mid noir? Bon bah voilà. Mais ouais non, j'aimerais... Alors, apparemment il y en a un qui est pas là. Ou qui est bugué, je sais pas. Par contre son machin il est indestructible, ça c'est saoulant. Hop. What? Hop, raté. Il est incroyablement solide et c'est assez énervant. Hein? Oui, je joue. Je suis occupé, je peux pas parler tout le temps. Boum. C'est moi qui l'ai eu? C'est moi qui l'ai eu. Cool. Putain mais c'est dégueulasse. Putain mais je le vois. Mais non, mais c'est dégueulasse. Mais c'est dégueulasse. Je suis 3 kilos. C'est dégueulasse. Donc en gros, ça veut dire que mes rayons laser, ils ressentent pas la présence d'un ennemi ou n'importe quoi. Ils le voient. Pour l'aéroflac. C'est débile. Ah putain. Alors entre ces machins là, là, qui tirent une fois toutes les... tous les 30 ans. Hop, allez, allez. Mais butez-le! Par contre, on a rien à foutre là, les mecs, hein. Putain, mais il fait pas de dégâts. Hop, ça y est. Ouh, c'est chaud. Mais putain, mais... Il me saoule. Il me saoule, celui-là. Il est impossible à détruire. C'est une hécatombe.
C'est une hécatombe. Mais bon, c'est pas grave, je cautionne. Je comprends qu'on puisse. L'objectif c'était qu'il ne repop pas au niveau de sa santé. Mais je pense que là, c'est mort. Hop, et en plus je me trompe dans mes armes tout le temps. Hop. Allez! Putain. Ah non. Ah non. Mais tu devrais laguer encore plus! Salaud! C'est écœurant, c'est écœurant. Le mec il... Ah, est-ce que ça tourne bien au moins? Oui, ça tourne. Hop. Le mec, enfin, il lag comme un porc en plus de d'avoir un vaisseau qui est un robot qui est complètement intuable. Ah, je suis désolé, moi je considère ça comme du cheat, hein. Là pour le coup. Le mec il fait blic, 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 blic. Il fait que blinker en fait, littéralement. Oui! Je sais même pas si je touche avec ça. Hop, on va essayer d'aller au corps à corps, on va rester loin parce que de toute façon, ça ne sert à rien. Mais non, ça sert à rien. Mais merde, casse-toi! Déchet ambulant! Regardez ça! J'ai une arme anti-aérienne qui fait pas de dégâts à cette merde! Putain! Je vais dire des conneries sur sa mère, ça va finir! Ça me saoule! Ah, ça me saoule, là franchement ça m'énerve! Regardez ça, le machin il est intuable! Voilà! Le machin il est intuable, je suis désolé, moi j'ai pas envie de rester à m'amuser avec un connard pareil parce que je m'amuse pas. Ça me saoule. Hop! Autant se casser, ça sert à rien de jouer là pour le coup, là chers amis, je suis désolé, hein. Le machin il est intuable, il lag à mort quand ça lui plaît, hein. Vous avez remarqué que quand il attaque, il lag pas des masses, quand il est par contre endommagé, il lag à mort. Non, non, faut pas se foutre de la gueule du monde non plus. Et qu'on vienne pas me dire que c'est les serveurs, hein. Les serveurs ils prennent pas parti pour les joueurs. Non, 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 le mec c'est juste un gros connard. Moi aussi, j'ai des outils que j'utilise pour pouvoir gérer mes uploads en même temps que je dois tourner un épisode en ligne. Imaginez si je règle ma connexion sur un truc débile. Ah bah oui, bah là, ça va pas être pareil. Ah bah je vais survivre. Y a pas de pareil. Enfin, bon, c'est comme ça. C'est pas grave. Bon. Hop, voilà. Cet épisode-là, il est tourné. Crac. Ah là là, ça m'énerve. Et on tombe rien dans les coffres. Ok. Eh bien écoutez chers amis, du coup merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à la pouce, vériser, la commenter, la partager, vous abonner, rejoindre le groupe Steam joueur de la Playroom, rejoindre le clan aussi si vous le souhaitez. Je commence déjà à faire du vide dans le clan, hein. Tous ceux, je pense que je vais les enlever 5 par 5 ou 10 par 10, ceux que je ne vois pas actifs. Donc si vous souhaitez faire partie du clan, continuer à faire partie du clan, j'aimerais bien que les données de clan s'affichent, voilà. N'hésitez pas en tout cas à tout simplement, pardon, bah postuler dans le clan. Vous voyez, j'ai laissé 5 places. Comme vous allez pouvoir le voir, il y a plein de gens qui sont pas là. Je pense que je vais. Tiens, Outwinter, pourquoi il est en bleu lui? Je ne sais pas. Bizarre. En tout cas, les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens. Et yop! Et moi, je coupe ici. Salut!